ça reste encore possible et d'essuyer quelques défaites passées avec de nouvelles victoires, ça serait bien. Ah, parce que le championnat de Ligue 2 il est très serré. Les équipes derrière nous, c'est des bons prétendants et c'est serré au niveau points. Et je me dis que des moments, on perd des matchs un peu bêtement contre des équipes que normalement on devrait gagner. Et alors, du coup, je me dis que ça va être serré jusqu'à la fin, mais qu'on est supporters et qu'on y croise jusqu'au bout et qu'on espère qu'on va monter. Il y a encore des rencontres assez difficiles, mais on a un avantage, c'est qu'on reçoit plus. Plus qu'on se déplace. C'est ça l'avantage qu'on a. Après, être confiant, je vais rester sceptique jusqu'à la fin. J'y crois, c'est sûr, bah, comme tous les supporters, je pense. Mais après, quand on voit que de la sixième à la deuxième place, on se tient à deux, voire trois points, tout est possible. Tout le monde peut gagner, tout le monde peut perdre. J'y crois, oui, c'est sûr. Quand on voit le dernier match là contre Valenciennes, le public qui y croit, quand on voit la cohésion qu'il peut y avoir dans le groupe, ouais, on y croit, ouais. Que la première position est assez loin quand même, il y a 6 points. Donc deuxième place, ce serait déjà bien et c'est synonyme de montée directe en Ligue 1. Pour l'instant, les résultats sont plutôt satisfaisants. On n'est pas trop détaché du podium. La preuve, on est resté sur le podium suite au match nul de Reims. Nous sommes qu'à 6 points de Brest. On a des matchs décisifs au mois de mars où on rencontre justement des concurrents directs. Donc si, je pense qu'il y a toujours les possibilités de monter. Après, on verra bien comment les résultats du mois de mars vont... On nous indiquait la tendance pour les derniers matchs à venir. Un coup ça va, un coup ça va pas, donc je pense qu'on peut le faire quand même. Rester comme là ils sont, une très bonne cohésion d'équipe. Franchement c'est un groupe, cette année ça sent qu'ils sont tous copains, il n'y en a pas un plus haut que l'autre. Ils sont tous vouloir à fond la Ligue 1 et ça fait du bien. Je pense que rester comme ça, la cohésion, ce que Casanova a fait les deux derniers matchs, faire le turnover, c'est bien ça. Franchement au moins il fait confiance à tout le monde. La Ligue 2, on peut perdre deux matchs et se retrouver tout de suite un petit peu plus bas, et donc faut pas lâcher le wagon. Après oui, la grogne des supporters, ben voilà, on attend toujours des résultats, et la passion des fois l'emporte. Ben, faire battre Brest et Reims ce mois-ci, qui sont deux concurrents directs, et ce sera déjà bien. Faut viser quand même la première place, ça serait mieux. Au moins on serait plus confiant et puis on pourra assurer une montée. Quand même meilleur. La première place, ça signifie un titre en plus pour le palmarès, mais bon, là, l'objectif c'est la montée, donc apporte la place. Du moment qu'on monte, c'est le principal.